docteur Rachid Ait Abdelrahman d'Algérie. Et je suis vétérinaire praticien. Et donc, pour répondre à votre question, et effectivement, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est beaucoup plus la sensibilisation de nos éleveurs. Parce qu'on a quand même une population d'éleveurs, disons, qui n'est pas professionnelle. Donc, il faut bien les aider parce qu'il faut les accompagner pour essayer un petit peu de savoir un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et donc, le praticien est censé jouer un petit peu un rôle important dans la profession, dans la mesure où lui, il est technicien, donc il connaît un petit peu tout ce qui se passe dans les rouages de la médecine vétérinaire. Et malheureusement que nos éleveurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas à la page, donc ils se perdent et ils n'ont pas l'information. Donc c'est pour ça qu'il va falloir les accompagner, et de sorte qu'à travers plusieurs procédures, on peut les aider à traverser cette étape. Et parmi ces procédures de sensibilisation, on peut bien les regrouper à travers des associations d'éleveurs, par exemple, comme d'ailleurs ça se passe dans d'autres pays, là où on peut, par les coopératives, tous les éleveurs passent par une structure, là où quand il y a un problème, il est posé dans ce sens, et que le vétérinaire peut intervenir pour l'aider. Donc, ceci dit, le praticien, il va falloir leur inculquer certaines notions de prévention, donc, et de les transmettre à nos éleveurs d'un niveau, comme vous le savez, parfois ils sont analphabètes, et donc se rapprocher d'eux pour essayer de sortir de ces problèmes.